Allez, salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 9e épisode de notre Let's Play commenté sur New Pokémon Snap. Pour ma part, ça va super. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait la plage pastel des deux côtés, parce qu'il y a plusieurs chemins à la plage pastel. On a aussi fait le récif, le premier passage du récif. On va y retourner au récif, on va faire le deuxième. Donc voilà, c'est parti. Donc là, il va me dire qu'il y a une nouvelle zone, c'est bien, c'est cool. Mais moi, je m'en fous. Allez hop. On y retourne. Alors. Sachant qu'en plus de ça, on n'a pas encore les orbes Lumina ici. Je sens que tu vas faire de nouvelles découvertes. C'est bien possible, mon cher, c'est bien possible. On a tout un banc de coraillon. Voilà, là-bas il est démenta. Ah, il y a les carapuces. Carapuces. Ils en ont rien à péter, les carapuces. Je savais pas que les carapuces faisaient ce bruit là. Première nouvelle. Bon, j'aimerais bien choper le tortank en fait là. En tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben je l'ai raté. Je crois que c'est une orbe Lumina pour choper le tortank, je suis pas sûr. Ensuite, elle n'a rien à péter le Goylis. J'ai décidé. J'allais te bloquer la route. Je sais pas d'où il sort lui, parce que moi, pour moi, c'est pas très profond ici même. Viens ici. J'ai raté la photo à cause de toi. Il m'a tout fait rater le voleur. Ah, mais il y en a deux. Ok. Pardon, c'est quoi ce bruit? On aurait dit un train qui démarrait. Ok. J'ai raté pas mal de photos à cause des Wailord. Du coup, changement de chemin, c'est pour quand? Allez hop, on va passer par là. Je sais pas qui l'a fait coucou lui, mais. An underwater crater. Either Ulka called Blue Hole. Did you know that? Bon, y a rien en fait. Hein. À part les carapaces, les carapuces au début. Sinon, je vois pas trop ce qu'il y a les deux Wailord, mais sinon, y a rien de plus. Mais bon, vaut mieux vérifier quand même au cas où. Je sais plus quand c'est qu'il y a les low class ici. It's time.
Bon ben voilà, c'était une exploration pas ouf. Mais au moins c'est fait, on est tranquille. En plus, pour avoir les orbes luminaires dans cette région, ça prend du temps. Alors, Monsieur Miroir. It's time. Alors, tu as pris le coup de main, choisi les photos que tu veux me montrer. C'est pas du tout ce qu'il vient de dire en anglais, mais bon, c'est pas grave. Ah bah si, il y en a quand même des photos pas mal. Quand même. Allez, vas-y, fais péter. Allez, voyons voir les photos que tu as prises cette fois-ci. Alors, on a un charpedo avec 3 étoiles. Ok, mais ce sera sûrement du bronze, il y a de grandes chances. Ah non, c'est du d'argent, j'ai rien dit. Ok. Les caillons, à mon avis, c'est... Ouais, voilà, c'est pas une nouvelle photo, c'est juste qu'ils sont en bande. Voilà. Goélise, il est plus près. Est-ce que ça va changer quelque chose? Oh bah oui. Ah bien sûr que je vais garder un diamant, je vais pas garder ça en argent. Je suis pas un 5 pin non plus. Démontage, ouais, pour lui il fait rien en fait, je sais pas pourquoi. Moi je voulais prendre, vous savez, la photo que j'ai pris l'épisode dernier. Mais plus proche. Mais j'ai pas réussi. Ah, carapuche. A new discovery. Nice work. Donc c'est du 2 étoiles. Là. En bronze, forcément. C'est pas parce qu'il se passe rien. Waylord. En 1 étoile, ok. Ok. Bekipa, à mon avis, ça n'a pas changé. Nice work. Ok. Maconier, bah, il est juste plus près en fait. Et il y a moins de Pokémon avec lui. Donc ouais, elle est forcément moins bien que celle que j'ai prise. Un Cocombaf. Ok. Cocombaf, on a déjà tout, il manque le 3 étoiles. Chaque nouvelle découverte a le potentiel d'ouvrir de nouveaux horizons pour nos recherches. C'était la phrase philosophique de Monsieur Miroir. Alors, on va aller maintenant dans les fonds marins, je pense. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire là-bas. Pas mal de nouveaux Pokémon à prendre en photo. Donc on va finir avec les fonds marins, et puis après, je pense qu'on ira dans le volcan. Hey, so... Ah, c'est parti, YOLO. YOLO. J'adore comme je leur coupe la parole. Il y a quand même certains débuts de musique qui rappellent l'ancien jeu. Alors, on a... Even underwater, you can still take pictures like you normally would. On a un écaillon. On a un coraillon. C'est où? Ah, c'est là. Ok, il s'en fout. Par contre, il faudrait viser lui là-bas. Là. Tu me gênes, mon petit. Ah, je l'ai eu. Ah, c'est là-bas. Bon, je pense qu'on a eu la photo de... On va la reprendre dans le doute. Bonjour.
Love Disc c'est fait, Lumineon c'est fait. Là-bas on va avoir le rajout de service. Voilà, bonjour. Ok. Ah, on a encore des charpédos. Salut. Il est pas content le charpédo. Mais ça doit faire mal quand même d'être la moitié d'un requin, non? Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? Ah, on a des quillfish là-bas. Il n'y a que des quillfish. Là-bas, il y a des tentacruels. Donc c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Quillfish, tentacruel, j'ai rien raté. J'ai entendu un gros bruit. Il me semble que j'ai fait un gros Pokémon en haut. Passé. Un très très gros Pokémon d'ailleurs même. Et on est à la fin du parcours. Il n'y a rien d'autre. Ah, même pas eu le temps de prendre les démentants en fait. Ça veut dire non, tu dégages, c'est bon, on en a fini avec toi. Je regarderai quand je montrerai l'épisode, mais j'ai vu un gros truc passer au-dessus de l'eau. Hello. Comment s'est passée cette première expédition? Tu as rencontré de nouveaux Pokémon? Oui, il n'y a que ça, des nouveaux Pokémon dans ce jeu. Parce que c'est New Pokémon Snap. C'était nul. Alors, Love Disc. A new discovery. Nice. Une étoile, sûrement en bronze ou en argent. Ah. Pourtant, j'ai pris de meilleures photos de Love Disc, mais bon. Bah, Magikarp, à mon avis, c'est pareil ou c'est moins. Ouais, voilà. Non, on va garder celle-là quand même. Nice work. Et Caillon, c'est pareil, en plus je l'ai pris de dos. Corayon aussi. Nice work. Alors, Lumineon. Lumineon, j'en ai pris une beaucoup plus proche que ça. Hein. Et beaucoup mieux cadré que ça. Hein. Nice work. Espèce de radin miroir. Hein. Tout ça pour me donner du 2 étoiles bronze en plus. Tentacruel aussi, j'ai pris mieux, mais bon. A new discovery. Great timing. La Wilmer en train de gueuler. Perfect timing. Ok. Charpedo toujours. Perfect timing. Ok, Charpedo nous manque le 4 étoiles. Et on a un coup de fiche. A new discovery. Nice work. Oh bah c'est plutôt pas mal. Et l'affaire de Krista forcément parce que voilà. Je sais qu'on va l'avoir besoin. Voilà. Alors je pense pas qu'on passe niveau 2 là parce qu'il y a beaucoup moins de Pokémon. Hein. Beaucoup moins de belles photos. Ouais, voilà. Ah, tu démarres sur les chapeaux de roue, c'est bien. Continue comme ça. À propos,
Maintenant que nous avons davantage de données sur les fleurs de cristal, j'aurai une annonce à faire. Tu verras, c'est une bonne nouvelle. Ouais, donc tu vas forcément me dire que j'ai les fleurs de cristal maintenant pour... que j'ai les orbes Lumina, pardon, pour Copadia, au moins les fonds marins. J'ai enfin réussi à mettre au point des orbes Lumina qui peuvent être utilisés à Copadia. Copadia entier ou que les fonds marins? On ne veut pas d'aller explorer à nouveau la plage et les surfaces et la surface des flots avec ces orbes en poche. Ouais, donc c'est pour tout en fait. Donc théoriquement, je pourrais choper un Tortank. Alors, on va retourner dans les fonds marins parce que j'ai pas pris toutes les photos du monde, donc on n'est pas passé niveau 2. Donc on y retourne, il me manque 8000 points. Et on va mitrailler les orbes luminants. Alors. Take care. Donc là, il me manque un truc pour aller là-bas. Vu que je suis pas passé niveau 2. Oui, les Pokémon semblent se cacher ici. C'est vraiment 5 piles sous Walmer. Quoi? Il y avait quoi ici? Ah, il y a un Viscus ici. Carrément. Comment on le chope? Ah. J'ai chopé le Viscus. Qui était bien planqué. Donc là-bas, il y a un Viscus planqué. Fallait le voir, hein. Ok.
Ah, ils sont là, eux. Voilà, normalement on devrait passer niveau 2. Logiquement. Et normalement je devrais avoir un grand blast pour niveau 2. Et il faudra que je lui tire une orbe lumina dessus pour pouvoir passer en dessous. Donc on va voir. Alors tu as pris le coup de main, à choisir les photos que tu veux me montrer. Allez, c'est parti. Je doute qu'il y en ait des nouvelles. Hein. Ah, il y en a quelques-unes, mais bon, c'est pas. C'est pas ouf. Non. Voilà, merci. Alors, Love Disc, toujours du une étoile, mais ça sera peut-être mieux. Oui, voilà. Ensuite, du Corayon. Voilà. Luminéance. Oui, c'est toujours le même en fait qui me prend en photo, je sais pas pourquoi, mais. Ok, Octillery. Ah, mais il n'a pas pris d'Octillery qui est en train de paniquer. Ouais, bah c'est pas intéressant. Allez hop, Wellmer, du coup tu m'as pris quoi? Tu m'as pris une étoile, ok. Ah, c'est du diamant. Sharpedo, ça sera force peut-être meilleur que l'autre, ouais voilà. Viscus, je l'ai chopé, il était planqué. Du coup j'ai pu le prendre que comme ça. Bon c'est pas très grave, de toute façon je pense qu'on va le revoir lui. Et le Quillfish luminescent. Est-ce que ça rapporte plus de points? Je crois pas. Non. Metantec cruel. Pourquoi tu m'as pris ça? J'ai pris une photo où il me regardait. Le jeu, enfin. Ah, mais c'est parce qu'il est en train de faire une attaque. Ou alors il est en train de parler plutôt par télépathie avec Metantec cruel juste dessus. Alors, c'est une photo extrêmement loin et ça vaut 3 étoiles d'argent. Pourquoi pas? Est-ce que c'est mieux? Non, pas du tout. C'est même pire. Voilà. Donc logiquement, on devrait pouvoir passer niveau 2. Et je vais peut-être refaire un tour dans les fonds marins, encore une fois. Au pire, ça déborde un peu, c'est pas très grave. Quoique, je sais pas, on va voir. Alors, tu atteins un nouveau niveau d'exploration. Ouvre bien l'œil dans ta prochaine expédition pour déceler les petits changements sur ce percure. Alors, on va rentrer à la base. De toute façon, il me reste que le volcan après à faire, hein, donc. On va rentrer à la base. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Je ferai peut-être les fonds marins au prochain épisode. Parce que moi, j'enchaîne et j'en filme 6. J'en suis déjà au 3ème ou 4ème, je pense, si je dis pas de conneries. Je me rappelle plus, j'ai pas compté. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de New Pokémon Snap pour refaire les fonds marins et on ira au volcan. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Warlocks et salut!